Bonjour à tous et bienvenue. Je suis très heureuse d'être aujourd'hui dans un décor qui n'est pas un décor habituel. Ma vidéo d'aujourd'hui, regardez cette robe magnifique, va être une vidéo spéciale parce que le bien-être, la spiritualité, c'est bien, mais elle donne lieu à de la création, à beaucoup d'intuition et à la beauté. Je suis aujourd'hui en compagnie d'un créateur, d'un styliste, Luc. Je suis très heureuse de vous retrouver. Bonjour Olivia, c'est un grand plaisir pour moi d'être ici avec vous. Luc, je suis très très heureuse d'être là avec vous. Je vous ai rencontré par hasard de façon virtuelle et lorsque j'ai découvert certaines de vos œuvres, j'ai trouvé ça magnifique. Et je n'ai pas pu m'empêcher de venir vous rencontrer pour savoir, ben, en savoir déjà un peu plus sur vous. Merci Olivia, c'est pour ma part aussi un grand plaisir de vous rencontrer. J'ai suivi votre travail avec grand intérêt et de nous retrouver face à face, c'est un grand plaisir. Alors, racontez-moi et racontez-nous surtout, parce que je trouve ça magnifique. Alors, expliquez-nous un petit peu tout d'abord votre parcours. Mon parcours, il a commencé il y a des années, bon évidemment. Ces métiers-là, ce sont des métiers de la création et la création, elle démarre très jeune. Donc, depuis toujours, comme beaucoup de monde, j'ai toujours dessiné et voulu approcher ce métier, les métiers de la haute couture, pour ce qu'ils sont, ce qu'ils produisent et ce qu'ils représentent. Donc, j'ai poursuivi cette voie et intégré une école, l'école de la chambre syndicale de la couture parisienne, où j'ai appris ce métier. Donc, savoir réaliser une robe du début jusqu'à la fin, du dessin jusqu'à la dernière retouche sur la cliente ou sur un mannequin pour le défilé. Donc c'est vous qui, depuis le dessin, qui regardez, ça c'est vraiment magnifique, depuis le dessin à la conception, je dirais, intellectuelle, créative, Oui, tout à fait. jusqu'à la Même, confection. je dirais même jusqu'à la première idée qui vient en tête, ça peut être, l'inspiration peut venir d'un tissu, peut venir d'une peinture, peut venir d'un film. Tout peut être une source d'inspiration. Et après, à nous de donner vie à cette inspiration. D'ailleurs, lorsque vous parlez d'inspiration, cela me convient tout à fait, puisque le mental, l'esprit, l'âme sont pour moi des sources de créativité énormes. Oui, tout à fait. Enfin, c'est comme ça qu'on le ressent. Le processus créatif naît peut naître d'une étincelle ou L'intuition. d'une intuition, d'une nourriture, et en fait on mélange un peu tout ça et on obtient quelque chose qui nous plaît, j'espère. Alors aujourd'hui, que faites-vous du point de vue professionnel? Parce que je crois savoir que vous travaillez pour une très grande maison, très Voilà. ancienne d'ailleurs, qui a environ 100 ans, si Tout à mes sources fait. sont Oui, bonnes. tout à fait. L'anniversaire est à venir. Donc effectivement, je travaille comme dessinateur de broderie pour la maison Le Sage. Et en parallèle, donc, je travaille pour mon propre atelier pour la création de robes de mariée, robes du soir ou costumes de scène. Dont on verra d'ailleurs quelques Quelques extraits, tout tout à à fait. l'heure. De point de vue pratique, concret, racontez-nous un petit peu l'histoire d'une robe. Comment ça se passe? Alors, l'histoire d'une robe, j'ai envie de dire, elle va déjà commencer un peu dans ma tête. Donc là, je vais avoir une envie créative particulière que je vais devoir mener à terme. Donc ensuite, je vais donc l'inspiration, comme je disais, ça peut être un tableau, ça peut être une cliente aussi qui désire quelque chose. Donc je vais orienter ma création vers elle. Et donc je vais aussi choisir un tissu, choisir des couleurs. Après, on va imaginer une forme, on va voir comment elle va s'harmoniser avec ou la cliente ou l'envie qu'on a envie de développer. Et ensuite, on va commencer donc ce qui s'appelle le moulage sur les mannequins qu'on peut voir en bois avec une toile à patron et on va ébaucher la forme. Une fois que la forme a été déterminée, on va passer dans l'étape couture avec le tissu en question ou en broderie aussi. Donc tout va être. Ça va être la phase d'élaboration, de création, et à tout moment, on peut évoluer. C'est-à-dire, certes, on a eu une idée de départ, on a fait un croquis, mais
le processus créatif veut souvent que, en fait, au final, on a évolué en cours de route. Et là, c'est vous, justement, également, qui faites les coutures. Oui, Vous tout. avez vraiment tout fait, de A à Z. J'avais l'idée de la robe et ensuite c'est un travail d'équipe aussi parce qu'une robe, ça peut être beaucoup de savoir-faire réunis sur une seule création. Oui, il faut savoir aussi déléguer un petit peu. Oui. D'ailleurs, je vois qu'il y a différents styles. Est-ce que vous êtes plutôt axé par préférence à un style ou à une époque bien Oui, particulière ou je bien... crois que en regardant mon travail, on peut voir facilement que donc mon inspiration et mon style de prédilection est l'époque baroque, on va dire un peu élargie de la Renaissance à la fin du XVIIIe siècle. Un créateur qui m'a beaucoup inspiré, c'est Christian Lacroix, et j'attendais chaque saison ses collections avec beaucoup La patience. d'impatience. Oui. Donc je m'inspire de personnages, on va dire, illustres comme la reine Margot, la reine Marie Stuart ou Versailles, Madame de Pompadour, voilà, des personnages illustres qui, par leur impact, en fait, suscitent en moi, réveillent la créativité. D'ailleurs, à propos de Marie Stewart, je crois savoir que vous avez contribué au costume de Oui, la... tout à fait, il y a quelques années de ça, j'ai participé à la création des costumes pour la pièce Marie Stuart, qui avait été jouée au Théâtre du Nord-Ouest à Paris. Au sujet de Madame de Pompadour, justement, j'ai découvert que vous aviez fait les dessins de ce très très joli ouvrage qui est dédié à la mode. Oui, exactement. Donc j'ai eu la chance de travailler pour les éditions Falbala, qui sont des éditions spécialisées dans la mode et l'histoire du costume. Et donc j'ai réalisé les croquis pour l'édition consacrée à la mode sous Louis XV et Madame de Pompadour. Donc j'ai été enchanté d'avoir à Magnifique. travailler sur ce sujet. Magnifique. Et de cet ouvrage ont été extraits de très jolis dessins qui forment des cartes postales. Oui, tout à fait. Les éditions Falbala ont décidé Des ensuite blocs. de développer à partir du livre des éléments de papeterie en fait qu'on peut retrouver dans les librairies des musées qui reprennent les illustrations du livre et qui rajoutent, on peut voir, une explication voilà, pour allier toujours la partie création Histoire. et culture pour apprendre quelque chose. L'intérêt aussi de cet ouvrage et de ces éléments, c'est que la personne apprenne quelque chose. C'est magnifique. Magnifique. Vous êtes vraiment très, très doué. Merci. Alors, vous disiez que vous étiez plutôt porté vers tout ce qui est baroque, Renaissance. Ici, regardez comme c'est beau. Un dessin magnifique qui est fait avec de l'aquarelle, je crois. Alors oui, tout à fait. Celui-là, c'est un mélange d'aquarelle, de crayon et de crayon de couleur. Donc je mélange les techniques pour donner du relief au dessin. Comment pouvons-nous arriver jusqu'à vous? Par exemple, une jeune femme qui souhaite se marier aujourd'hui, qui écoute cette vidéo, qui a un coup de cœur pour l'une de vos magnifiques robes, comment peut-elle faire Donc, appel à vos services? c'est très simple, j'ai un site internet avec une page, un formulaire de contact ou un profil Instagram et ça peut aussi être par le bouche à oreille, c'est comme ça aussi que je fonctionne. De toute façon, je mettrai votre site et toutes les infos qui vous concernent en dessous de la description de la Merci. vidéo. Tout à l'heure, nous parlions d'esquisses et de travaux. Je vois que ici, vous avez un magnifique tableau. Oui, ben moi, une de mes héroïnes favorites, Isabelle Adjani dans La Reine Margot, qui a été pour moi, quand j'ai vu ce film à sa sortie, j'étais très jeune et c'est un film qui m'a Marqué. marqué pour toujours. Il a marqué, je pense, beaucoup de monde. À l'époque, c'était vraiment quelque chose de Tant par les très fort. costumes que la manière de filmer, la façon dont c'était de jouer. Quel serait votre plus beau souvenir qui est relié à l'une de vos créations? Alors, l'un de mes souvenirs les plus marquants a été la création d'une robe de mariée. Donc, la cliente désirait une robe fourreau, tout en dentelle, uniquement en dentelle et avec le moins possible de doublure. Oui. Donc, tout notre défi et notre audace a été d'arriver à créer cette robe totalement transparente, mais en gardant quand même une certaine pudeur pour l'occasion. Et j'avoue que ça a été vraiment une grande réussite. La robe était magnifique et elle était divinement portée. Donc pour moi, ça a été
une belle satisfaction. Oui, tout à fait. Outre cette période baroque-renaissance que vous aimez, je crois que vous vous occupez aussi de robes plus faciles à porter, plus modernes. Tout à fait. Donc, plus actuelles. Toujours en gardant, on va dire, l'esprit baroque qui me colle à la peau, en fait, j'ai envie de dire. Je peux adapter une silhouette plus courte pour une occasion, pour un cocktail, pour aller à un mariage où en fait l'esprit baroque va se retrouver plus dans le choix des tissus, les mélanges des couleurs, oui. L'emploi de galons, de broderies. Et on va adapter la silhouette à un esprit actuel. Vous n'habillez que les femmes ? Oui. Même pour les costumes de théâtre ? Pour les costumes de théâtre, j'habille aussi les hommes, mais pour les robes de soirée, pour le mariage, je suis spécialisée dans la femme. D'accord. Parce que c'est aussi le domaine qui me permet le plus de créer selon mes goûts, selon mes envies, selon mon imagination. Oui, c'est plus ouvert, il y a plus de possibilités. Oui. Pouvons-nous plonger dans votre très beau carnet de croquis ? Tout à fait. Donc là, il s'agit d'un carnet de croquis où j'ai quelques exemples pour voir ce qu'on peut faire en matière de robe de mariée, en matière de robe de cocktail. Donc, on peut imaginer habiller une robe avec des galons. Le galon peut devenir une ceinture ou un décolleté ici. Ensuite, on peut voir qu'une dentelle, elle peut être utilisée de différentes façons. Ça peut être sur un voile, ça peut être sur des manches, ça peut être sur une basque d'une robe. Donc, il y a plusieurs... pour montrer qu'on n'est pas limité dans la façon d'utiliser des matières et dans la façon de créer. Donc on peut voir là aussi une robe. Alors là, on peut l'imaginer en version vraiment blanche pour une mariée, mais si on a envie d'un peu de couleur, on peut voir qu'on peut ajouter aisément des couleurs subtiles dans une création. Donc, ce sont quelques exemples. Donc là, c'est pour montrer aussi, pour qu'on comprenne qu'une robe, c'est toute une construction, c'est une armature. Il peut y avoir donc un corsage qui va être la base d'un drapé. Oui. Mais il y a aussi, il va y avoir d'autres éléments qui vont être froncés. Donc c'est pour expliquer qu'une robe, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup, on utilise différentes techniques. Il y a le sens du détail, le souci de la perfection. Et chaque élément doit s'emboîter. Tout à fait, et s'ajuster au corps de la cliente. Voilà, donc on peut... Est-ce qu'il vous arrive de replonger dans d'anciens dessins pour vous donner des envies, j'allais dire, de modifier un ancien dessin pour en faire un nouveau ? Non, parce que en fait, alors, ce qui est chez moi plutôt récurrent, c'est les sources d'inspiration. Donc la source d'inspiration revient à un esprit baroque, donc c'est... Mais le croquis lui-même, je vais recommencer à chaque fois quelque chose de nouveau. Donc je vais toujours, si la cliente est différente, je m'adapte à la cliente. Donc je pars dans un nouvel état d'esprit, une nouvelle histoire. Oui. Ils sont magnifiques, magnifiques. Donc là encore, c'est une page pour expliquer qu'une robe, elle a besoin parfois d'une armature qui est assez conséquente et qui va donc... demander du temps, demander des essayages pour l'ajuster au mieux. Une robe, une belle robe, aura souvent nécessité beaucoup de temps et beaucoup de préparation. Vous devez avoir énormément de cahiers, je ne sais pas comment on appelle cela. Un cahier de croquis ? Oui, c'est un carnet de croquis. Donc c'est-à-dire au fur et à mesure, évidemment. Donc, comme je n'ai pas vocation à être un musée, il y a bien sûr des choses dont je me débarrasse quand elles ne sont plus actuelles. Et moi, mon travail, c'est de toujours proposer quelque chose de nouveau. Ne vous en débarrassez pas, je prends pour le plaisir des yeux. Je trouve ça magnifique. Parce que vous pourriez aussi faire des cartes postales avec ça. Il y en a d'ailleurs dans certains musées parfois. Oui, c'est vrai, c'est un projet que je n'ai pas encore abordé. Voilà. Eh bien, écoutez, je serai très heureuse de pouvoir vraiment vous aider parce que c'est magnifique. Oh, vous avez vraiment une fan. Merci. Alors, justement, tout à l'heure, hors caméra, vous me disiez que toute robe ne se base et n'a pas une source forcément d'un dessin.
Chez moi, sans dessin au la préalable. création peut venir en fait directement dans ma tête, dans mon esprit. Donc j'ai la vision d'une robe qui se crée dans ma tête et donc ensuite à moi de donner vie à cette inspiration qui est visuelle à l'intérieur de moi. Donc dans ces cas-là, le croquis va venir dans un second temps. D'accord. Oui, vous marchez à l'envers, en fait. Oui. Au sujet de ce très joli croquis que nous allons pouvoir montrer en réel, j'allais dire, une fois Donc ce qu'on... croquis, voilà, donc c'est un croquis que j'ai effectué, donc comme je venais de le dire, suite à une inspiration, donc une inspiration où là j'avais souhaité mélanger deux époques, une époque plus, on va dire, pré-Henri IV, et ensuite un peu mélanger la façon dont on portait les robes à la cour sous Louis XIII et Louis XIV, un peu en retroussé. Donc là on a, on va dire, une partie un peu avec des manches Renaissance et mélangée avec une mini-jupe. C'est vraiment un mélange, cette robe, où j'ai pris certains éléments de l'inspiration, donc avec un corsage brodé devant, avec comme un plastron brodé. Et ensuite, donc comme on pourra voir, avec une forme plus courte qui peut se porter avec des bottes, avec des cuissardes pour donner un style différent. On va le voir tout de suite. Une robe comme celle-ci avec des volumes assez importants, on va voir que le volume va se créer avec différents éléments qu'on va ajouter et imbriquer les uns dans les autres. Donc on démarre ici avec la première base qui est tout simplement une mini-jupe, donc dans le tissu qui est un brochet. Là-dessus, on va venir superposer donc ce qu'on appelle un bouillonnet, parce que donc on voit que le tissu forme sur les côtés un bouillonnet. Le tissu étant léger, je suppose, ce n'est pas ce style de tissu qui était porté Alors pendant l'époque de la Renaissance. Ça disons devait être beaucoup que plus lourd. voilà, les tissus de la Renaissance étaient, même s'ils étaient dans cet esprit-là, avaient un poids un peu plus conséquent. Il n'avait pas simplement une mini-jupe à porter dessous. Alors non, il y avait un empilement de jupons différents qui avaient différentes utilités, d'armatures encore plus pesantes. Donc on peut voir ici qu'il y a quand même une certaine armature avec un certain détail. Oui, pour donner du volume. Donc là, par exemple, on peut voir l'ampleur du bouillonnet de Oui. tous les côtés. Oui. Et ensuite, on rajoute la pièce finale qui est le corsage, que là, nous allons devoir lacer sur le mannequin. Et là aussi, comme pour la robe rose, donc vous avez délégué la partie broderie Tout à fait. et vous vous êtes occupé de tout le reste. Que c'est beau. Donc la broderie est quand même vraiment un métier spécifique qui prend beaucoup de temps et qui demande une formation particulière. Vous avez suivi vous aussi une formation pour la broderie ou pas forcément? Non. Non. Moi, mon travail consiste à dessiner la broderie. Après, effectivement, il y a tout le travail de lacet que l'on voit faire souvent dans les films. Tout à fait. Dans Titanic, par exemple, le fameux lassage. Oui. Alors justement, on serre et la personne ne peut plus respirer. Il y avait donc à l'époque cette notion de volume et en même temps de taille très fine. Oui, qui était donné donc par un corset très rigide qu'on faisait porter aux jeunes filles à un âge assez jeune en fait, et leur corps s'habituait et se modelait avec le port des corsages et de toutes les structures qu'imposaient ces robes. Comme pour les Oui. Chinoises, au niveau des pieds, qui étaient Oui. bandés. La taille fine en fait s'obtient C'était presque une déformation, en fait. par l'usage, voilà, de structures qui viennent contraindre le corps. Voilà, donc là
On voit les différentes inspirations de la robe avec les manches embouillonnées, issues de la Renaissance. La pièce d'estomac brodée qui, à l'époque, pouvait ne pas être brodée directement sur la robe, mais qui était un élément à supplémentaire qui part, qui était était ajouté. accroché sur le corsage de la robe. Et ici, voilà, on peut voir cet effet bouillonné, retroussé de la traîne. Avec les manches aussi, Voilà, j'ai vu. on rajoute Il y un a petit un rappel. détail. Magnifique. Très, très beau. Bon, pas facile à porter de nos jours, mais magnifique. Il faut l'occasion. Vraiment. Oui. L'occasion de sa vie. Nous parlions tout à l'heure de robe de mariée. Est-ce que cette très jolie robe peut en être une? Oui, tout à fait, ça en est une. Donc, elle a été inspirée d'un livre cette fois-ci, un livre qui se passe à la fin du XVIIIe siècle, qui s'appelle La Palmeraie, et qui retrace l'histoire d'une jeune femme qui va traverser l'Atlantique et aller vivre donc à la Nouvelle-Orléans. Donc, j'ai voulu dans cette robe mélanger un peu l'inspiration créole avec la robe à la chemise qui a pris son essor sous Marie-Antoinette. Et avec ce petit détail de plis et d'orgue, et ce tissu aussi qui inspire, on va dire, les Caraïbes et la Oui, Nouvelle-Orléans. c'était ravissant, très très joli. Question pratique et concrète, combien de temps passez-vous? Alors tout d'abord, bon, j'ai bien compris, pour les dessins c'est aléatoire, c'est en fonction de l'inspiration, mais pour les faire, les coudre, que ce soit l'une ou l'autre par exemple. Donc la fabrication d'une robe, là aussi le temps est vraiment spécifique à chaque robe, à chaque technique qu'on va employer, à chaque tissu. Donc par exemple pour celle-ci, on peut remarquer qu'il y a un travail de pli, de fronce pour les différents étages de volant. Donc une robe comme ça, on peut à peu près envisager une centaine d'heures de travail. D'ailleurs, je fais remarquer aux personnes peut-être qui ne le voient pas avec la caméra, c'est que chaque étage est différent. Le tissu est différent. La dentelle est différente. Et pour celle que nous avons vue tout à l'heure, Alors là, beaucoup on plus de passe temps. voilà un autre niveau de temps puisque il y a la broderie. La broderie, ça va être des centaines et des centaines de petites perles, de petits éléments ajoutés un à un à la main. Donc ici, il faut plutôt aller s'orienter entre le travail des armatures qu'on a découvert tout à l'heure, plus le travail de broderie. On peut arriver facilement à 300-400 heures de travail. Waouh! Si je, par exemple, je voulais acheter cette robe, qui ne sera jamais identique, puisque si j'ai bien compris, vous ne refaites pas deux fois la même, Tout à fait. Chaque robe est sera unique. unique pour chaque cliente. Donc, avis aux personnes qui ont envie de se marier, si vous voulez avoir une robe unique et faite vraiment pour vous, Luc est là. Au sujet de vos robes, j'ai bien compris que parfois elles passent par des dessins. Parfois non. Lorsque vous êtes sur une commande, par exemple, ou sur une inspiration précise, est-ce que vous travaillez et vous n'êtes concentré que sur une robe à la fois? Ou bien peut-il arriver que vous ayez deux, trois inspirations et vous Donc, passez de l'une à l'autre? tous les cas de figure ont déjà eu lieu, c'est-à-dire qu'il peut effectivement y avoir le moment où je me concentre sur une robe de mariée, vraiment où je m'y dédie à 100% parce que le temps de travail le nécessite. Mais il y a aussi les situations où donc on doit livrer plusieurs clientes en même temps, ou pour une pièce de théâtre, on a plusieurs comédiens à habiller. Donc là, on est évidemment obligé de mener plusieurs projets de front. D'accord, ce n'est pas forcément évident, si? Non, mais alors là, on entre plutôt dans la phase d'organisation du métier et la phase de création, mais on a aussi une phase, comme on est des artisans, qu'on produit des objets, enfin des robes, on a aussi toute une habileté à avoir, à savoir s'organiser, à tenir des délais et à tenir des coûts. Luc, vous êtes doué pour plein, plein de choses. Et j'ai découvert que vous aviez aussi conçu des accessoires, dont le masque qui nous a servi lors de notre premier teaser. Alors là, il Alors. s'agit de la partie, on va dire, création de costumes de scène ou pour des événements particuliers. Donc là, vous voyez un pourpoint qui est inspiré de l'habit de danse de Louis XIV.
où on retrouve le roi soleil. Et donc, c'est une matière spécifique qui est Oui, légère c'est très léger. et qui peut être après peinte pour obtenir un aspect métallisé. Et la même chose, donc, comme Tout à fait pour le masque. Donc, le qui a masque, plusieurs visages, plusieurs profils. voilà. Donc là, lui, c'est un mélange donc de différentes matières, plus un ajout de plumes d'autruche et plumes de coq. Donc celui-là est Magnifique. inspiré du signe astrologique des Gémeaux, d'où l'idée d'avoir toujours deux visages visibles. Et comment faites-vous cela? C'est moulé, c'est fait à la main, Alors c'est fait à la main, c'est cuit, c'est c'est... découpé, c'est une matière qui est découpée selon un patronage pour donner les volumes. D'accord. Et ensuite ici c'est une autre matière qui est là c'est modelé, c'est une pâte qu'on vient sculpter. Vous savez tout faire. Presque. Luc, nous avons parlé de votre passion qui est la mode, mais je sais que du point de vue personnel, peut-être plus spirituel, vous vous intéressez à énormément de choses aussi. Oui, exactement. Il y a donc l'astrologie qui est une discipline que j'ai commencé à aborder très jeune et que j'ai poursuivie par des cours, donc en astrologie conditionnaliste d'abord, puis en astrologie traditionnelle et depuis quelques années en astrologie karmique qui est une astrologie vraiment très fine dans la perception qu'elle a de l'âme et de l'être humain. Et de la mission de vie. Tout à fait. De quel signe êtes-vous? Alors moi je suis Gémeaux. Je l'avais deviné. J'en avais une intuition. Avec un ascendant à la frontière entre le Verseau, le Capricorne, et une lune en poisson pour la créativité, elle est très bien placée. L'imaginaire, l'imagination et le Verseau aussi d'ailleurs. Vous savez tout. Donc, outre l'astrologie, qu'est-ce qui vous intéresse d'autre? Alors je me suis aussi beaucoup intéressé à la notion de conscience et la conscience m'a amené sur les chemins, on va dire, de l'énergie et donc du Reiki, où j'ai suivi l'enseignement jusqu'au niveau maître Reiki, et donc Wow. qui me permet d'avoir une ouverture sur la méditation, sur les mondes subtils, sur la psyché. Écoutez, alors je suis doublement heureuse de vous avoir ici parmi mes interviews sur ma chaîne. Et ensuite, il y a une troisième chose qu'on pourrait évoquer, donc qui est plus récente dans mes pratiques. J'ai donc suivi la formation de Corinne Sombrun sur la transe cognitive auto-induite, et qui est là aussi une porte d'entrée sur les capacités de chaque être humain, des capacités qu'on a, mais qui ne sont pas visibles au premier abord. D'où lorsque je vous ai présenté en parlant d'intuition, de créativité, du fait que le mental, le spirituel est important, mais que la créativité, la beauté, tout ce qui nous entoure est important, ça fait vraiment un tout. Oui, c'est un tout, et d'autant que la création, je me suis rendu compte au fur et à mesure de ces apprentissages que la création fait partie des états modifiés de conscience aussi. On apprend que notre cerveau, toute la journée, change d'état de conscience, et la création fait partie de ces états-là. Oui, vous vous connectez à un domaine, à une sphère autour de vous, le fameux inconscient collectif, Sûrement, oui. ou akashique, comme on l'appelle aussi, la bibliothèque akashique. Alors, parce que j'aime bien faire un cadeau à chaque fois, je voulais vous offrir ce carnet sur l'astrologie. Merci beaucoup. Voilà, puisque c'est votre domaine, un de vos domaines de prédilection. Et comme ça, vous pourrez. Il y a plein, plein de petits exercices qui vous apprendront peut-être des petites choses que Merci vous ne savez beaucoup. pas. Ça sera un plaisir de le parcourir. C'est un cahier de vacances que je vous donne maintenant, mais bon, pour faire vos Pour devoirs prolonger les après les vacances. vacances. Je vais prolonger les vacances comme ça. Quels sont vos projets aujourd'hui? Avez-vous des envies, peut-être des... Bon, j'ai bien compris, vous êtes axé sur la période de Renaissance et baroque, a priori, qui vous colle à la peau. Oui, mes projets, en fait, c'est mon rêve de toujours, c'est continuer à faire vivre la haute couture et pourquoi pas, donc vous m'avez donné l'idée, effectivement, pourquoi ne pas produire un recueil d'illustrations de mode. Ça pourrait être une excellente idée.
Ah ben je pense que vraiment vos dessins sont magnifiques et il serait vraiment dommage de les garder comme ça pour vous. Il faut les montrer. Affaire à suivre. Merci. Mais je vous en prie, je serais très heureuse de participer à ce beau projet. Si je vous ai juste mis la petite graine qui va germer, je serais très heureuse. Je vous souhaite beaucoup de bonne chance pour la poursuite de votre travail parce qu'il est vraiment magnifique. Vous êtes très très douée. Et je ne peux vous souhaiter qu'une grande réussite. Et je pense que la mode, elle vit vraiment à travers vous. Merci beaucoup, Et Olivia. ça se voit, ça se ressent. On sent votre Merci. passion. J'espère que cette vidéo vous a plu. Elle était vraiment un petit peu hors de l'ordinaire, mais j'ai été enchantée de cette rencontre avec Luc. À très bientôt pour une prochaine rencontre.